Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce troisième dimanche de Pâques de l'année A, la liturgie de la Parole nous convie où même nous plonge au cœur de notre foi chrétienne. Le Christ ressuscité, lui, nous accompagne. Nous sommes souvent désemparés. Et on pourrait même dire avec l'expression « l'espoir s'est envolé ». Cléophas et disciple, est l'autre disciple, l'espoir s'est envolé. Et qui croyait en la personne du Christ, Jésus de Nazareth, comme prophète, comme sauveur, comme la personne qui vient libérer le monde, qui vient libérer Israël, l'espoir s'est envolé. Voilà, il y a trois jours, il est décédé. Mais on ne sait pas sa situation. L'espoir s'est envolé. Peu importe les différents récits de la résurrection de Jésus, Cléophas et l'autre disciple sont encore dans le désarroi. Bien évidemment, le Christ, le chemin de notre foi est souvent accidenté. Nous sommes souvent titubants. Nous sommes souvent hésitants. Nous sommes souvent décourageants. Mais le Christ ressuscité qui nous appelle, il nous invite à être. Courageux. Il nous invite à marcher avec lui. Voilà pourquoi Jésus rejoint Cléophas et l'autre disciple comme passager aussi. Le texte nous dit un passager étranger. De quoi parlez-vous en chemin Cléophas dit Mais vous êtes le seul à Jérusalem. Qui ne connaît pas ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth Mais dites-moi quelle histoire. Voilà, le dialogue commence. Jésus le Christ dialogue avec nous au quotidien. Il nous accompagne. Il est notre convive, il est notre co-voyageur. Il parle avec nous. Et pourquoi nous sommes hésitants Et pourquoi nous tombons dans le découragement Et pourquoi nous sommes dans le tumulte Et pourquoi nous sommes perplexes Jésus est avec nous sur notre route de la foi chrétienne. Il est avec nous. Il est avec nous, comme dit le Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous. Il est notre rempart. Jésus est notre libérateur. Il est avec nous. Il nous accompagne. Et dans les dialogues, ces disciples, appelés disciples d'Emmaüs, se sont dit Partons, il n'y a plus rien. L'espoir s'est envolé. On mettait l'espoir sur cette personne, mais voilà, ça ne marche plus. Ici, nous avons aussi une leçon à apprendre. Dans le chemin de la foi chrétienne, ne nous, nous appuyons pas tout de suite sur des personnes humaines. Appuyons-nous sur le Christ, parce que lui, il est présent. En tout lié et en tout temps, comme le ressuscite. La grâce de la résurrection nous convie à nous élever davantage, à ne pas être contrôlés par les temps et par l'espace. Jésus ressuscité, il apparaît, il se manifeste, il accompagne, il est avec nous. Reste avec nous, Seigneur, car les jours baissent, il est tard. Reste avec nous. Voilà une demande. Demandons au Christ Jésus de rester avec nous. En ces temps difficiles, en ces temps d'hésitation, à cause de ces fameux virus, tout le monde est dans l'hésitation, tout le monde est dans la peur, tout le monde est dans les découragement. Il il y a autant d'essais pour trouver la guérison pour trouver une solution, mais le ressuscité il nous accompagne dans les dialogues avec lui, dans la prière avec lui, il est toujours présent. Demandons-lui de rester avec lui. Jésus le Christ, reste dans nos cœurs, reste dans nos familles, reste dans nos lieux de travail, reste dans nos différentes relations, soit avec nous, reste dans nos différents projets, soit avec nous, éclaire-nous et les textes nous disent, ils le reconnurent à la fraction du pain. Pourquoi notre cœur était si lent Pourquoi nos yeux ne pouvaient pas le voir Ne pouvaient pas le reconnaître Le Christ de Jésus, lui, s'est manifesté à des différentes occasions. L'Eucharistie est une manifestation. L'Eucharistie comme un moment de grand repas. Il s'est manifesté. Aujourd'hui, bien des personnes parfois complotent de faire du mal aux autres. Pendant le repas. Non, le repas est un grand moment de convivialité. Le repas est un grand moment de fraternité. Le repas est un moment de retrouvailles. Le, le repas est un moment de réconciliation. C'est un moment où le Christ nous accompagne. C'est un moment de joie et non pas un moment d'hésitation et non pas un moment de complot. Un moment de joie, un moment d'une paix intérieure parce qu'il nous accompagne là avec nous. Mais notre cœur est parfois lent. À comprendre. Notre cœur parfois est perturbé par des besoins matériels, il est là à croire, il est là à comprendre. Jésus le Christ ouvre nos yeux du cœur. Que tes écritures nous modèlent. Et donc, dans ce chemin de Maïs, dans notre chemin de tous les jours, dans notre chemin de la foi chrétienne, prenons le temps de lire les écritures, prenons le temps de lire la Bible pour nous ressourcer. Car ce grand livre de vie est une source où le Christ qui est la parole nous inspire, nous accompagne, nous ouvre les yeux pour le voir, pour le reconnaître et pour le communiquer aux autres. Voilà pourquoi Pierre, lui qui avait nié le Christ, on le voit avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de détermination, mais surtout avec audace. Avec audace, il prend les discours, il tient les discours, un discours brillant. Voilà, un discours brillant pour communiquer le ressuscité, un discours brillant pour raffermir la foi. Il est devenu audacieux. Le Christ de Jésus nous invite à être audacieux pour communiquer sa parole, pour vivre de sa parole, sans hésitation. L'hésitation est une source de découragement. L'hésitation fait perdre les gens bien. Des causes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des vagabonds spirituels, des vagabonds spirituels, des gens qui se promènent partout à la recherche du Christ qu'ils ne trouvent pas. Jésus le Christ est dans ton cœur. Il te rejoint dans ta vie. Sois posé pour le reconnaître. Sois posé pour le rencontrer. Il n'est pas là où vous êtes entré de le chercher, de courir de gauche à droite. Oh, à tel endroit il y a tel miracle. Il y a tel endroit on fait ceci. Venez boire cette quantité d'eau et faites ceci pour guérir. Non, Jésus le Christ est dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Sois audacieux pour le reconnaître. Il est là avec nous. Il nous accompagne. Il est sur notre chemin de tous les jours. Voyageons avec lui. Marchons avec le ressuscité afin qu'il transforme notre vie en lumière, en joie et en paix. Il est avec nous. Ne tombons pas dans l'hésitation. Le Christ Jésus est avec nous. Et Saint Pierre, dans son grand discours, il nous donne vraiment l'exemple d'audace. Soyons audacieux. Et comme dit Saint-Eugène des Massinot, le fondateur des Oblats de marie maculée osez grand comme le monde. Voilà, il faut oser grand comme le monde à la rencontre du Christ. Peu importe des difficultés, des souffrances de la vie, osez grand comme le monde. Et en ces temps de peur de ces fameux virus, osons grand comme le monde pour continuer à vivre avec le Christ ressuscité qui nous accompagne. Il est avec nous, n'ayons pas peur. Il est là avec nous pour nous raffermir, pour nous ouvrir le, nos yeux de foi avec les écritures, à la fraction du pain, il nous donne la joie de célébrer la vie. De célébrer la vie, célébrons la vie, soyons audacieux pour le Christ, communiquons-les à toute personne humaine. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.